Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment je fais mon wavy. Donc là j'ai lissé mes cheveux comme vous pouvez le voir. Donc j'ai lissé mes cheveux avec mon Steampod. Voilà, celui-ci. Donc j'ai retiré le peigne parce que ça m'arrache les cheveux. Donc je brosse bien mes cheveux à chaque fois et après je fais mon Steampod. Donc là j'ai lissé mes cheveux avec mon Steampod et je vais vous montrer comment moi je fais mon wavy. Donc attention, alerte, alerte. Je ne suis pas coiffeuse, donc je vois déjà d'ici certaines coiffeuses, coiffeurs que je connais qui vont m'insulter après cette vidéo. Je ne suis pas coiffeuse, d'accord, je suis maquilleuse et je montre juste comment moi je fais quand je suis chez moi toute seule et qu'il faut que je me fasse mon wavy. Je ne peux pas tout le temps me le faire dans, au salon où je travaille ou chez le coiffeur tout simplement, je ne peux pas tout le temps. Donc quand je dois me débrouiller, voilà, je vais vous montrer comment je fais. C'est parti. Alors déjà avant de commencer de faire son wavy, on brosse ses cheveux. Donc j'ai fait mon brushing ce matin, mais il s'en mêle encore. Les cheveux s'en mêlent toujours. En fait, clairement, mes pointes, elles sont mortes. Elles sont mortes, mortes, mortes. Moi, j'ai fait mon wavy avec mon Steampod parce que j'ai que ça. Si vous avez un fer à lisser beaucoup plus fin, le GHD ou peu importe, ce sera beaucoup plus facile pour vous de le faire. Si vous le faites avec un fer à boucler, ça va clairement vous boucler les cheveux. J'ai hésité à vous montrer aussi avec le fer à boucler. Je me suis dit non, parce que ça va vraiment donner un autre résultat, style anglaise et tout. Et là, moi, je veux vraiment vous montrer le style wavy. Donc du coup, j'ai fait chauffer mon fer. Donc moi, je le fais maximum à 180, pas plus. Donc moi, je le fais vraiment à la wall again, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est que je vais prendre une mèche à chaque fois et je vais la mettre en haut avec ma pince. Mais honnêtement, le résultat y est à la fin. J'ai déjà eu des compliments de gens, coiffeurs, de coiffeuses qui m'ont dit que c'était bien. Donc voilà. Alors je vais commencer, donc je vais prendre ma première mèche, je vais prendre mon Steampod et je vais le tourner. En fait, chaque côté a une façon de tourner son Steampod. Donc là, pour le côté gauche, je vais le tourner comme ça. Hop, je vous montre une mèche et après je vous explique mieux. Et là, on tourne et on descend doucement. Et vous avez votre première mèche de wavy. Oh, je suis trop fière de moi. Là, j'en connais une qui est en train de se dire « Ah, la connasse, elle a géré. Ah, la connasse, elle a réussi. » Et ouais, j'ai réussi, meuf. Donc là, c'est ma première mèche de wavy, ok? On va faire une deuxième. Donc, plus vous voulez des wavy pas trop définis, plus vous prenez des grosses mèches. Si vous voulez des wavy plus définis, vous prenez des petites mèches, des fines mèches. Donc là, moi, je prends entre les deux. Donc du coup, hop, pareil. Donc c'est très compliqué à faire dans la caméra sans se voir. Ah, pareil, je tourne comme ça et je descends doucement. Tac. Je fais comme ça avec mon doigt. Et j'ai ma deuxième mèche de wavy. Donc elle est un peu moins définie, mais elle est bien. Comment je vais faire parce que je vois rien? Je vais mettre un miroir devant moi. Comme ça je peux checker. Ouh, si elle est bien ma mèche. Elle est... Si vous voyez le bordel qu'il y a sur ma coiffeuse. Donc là, j'ai fait deux mèches. Donc moi, barbare, je vais prendre les deux mèches. Tac! L'autre côté avec ma barrette. Allez hop, on continue. Je prends une autre mèche. Hop, donc je prends une autre mèche. Tac! S'il y a des nœuds, n'hésitez pas, vous la brossez juste avant. Hop! Je tourne et je descends. Ce qui est bien aussi, c'est de tenir la mèche pour être sûr. Pour être sûr. Hop! Voilà mon wavy! J'ai une petite mèche en bas qui n'a pas pris. Hop, je vais repasser un coup. Tac. Et je lâche. Et voilà. Hop, ensuite, prochaine mèche. Yeah, bitch! Hop, donc là, j'ai fait un côté, ok? J'ai fait un côté, on va voir après. On va checker ça après ensemble.
pour l'instant je vais faire l'autre côté. Donc l'autre côté du coup c'est pas le même sens. On va aller de l'autre sens avec le Steam Pod. Je vous montre. Pour faire un effet ouvert. Donc je prends mon Steam Pod, tac, et là je vais de l'autre côté. Et pareil, je descends exactement de la même façon. C'est juste que j'ai changé de côté. Hey! Je crois que j'ai oublié de mèche. Ouais, je vais repasser un petit peu. Hop! Et voilà! C'est moi ou c'est pas moi? Ah, il y a encore elle qui me dérange. S'il y en a une qui vous dérange, vous la coupez. Non, je rigole. Vous repassez dessus. Genre de blague pas drôle. Voilà. Hop. Elle s'est fait. Tac, de l'autre côté, allez. Tac, on envoie de l'autre côté et on descend. On descend. Et quand on descend, on tourne un chouille. Et voilà, ding, ding, ding. Les filles, très important dans votre Steam Pod, si vous avez un Steam Pod, n'oubliez pas de mettre de l'eau, surtout, très important, et de l'eau déminéralisée. Sinon, vous allez tuer votre Steam Pod, parce que vous allez mettre du calcaire, et du coup, il ne va pas durer longtemps. Et au prix que ça coûte, honnêtement, vaut mieux que ça dure longtemps. On tourne. Hey! Bon, je vous préviens, par contre... Ça fait mal au bras. Là, je n'ai plus de bras droit. Aïe. Donc voilà mon Ravy. Qu'est-ce que vous en pensez, les girls? Donc là, je mets toujours un côté derrière mon oreille. Ça, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Hop, j'ai les cheveux électriques, du coup ça m'énerve. Ça va revenir dans mon visage pendant que je suis en train de parler. Hop, on remet le sourcil au passage. Voilà. Si vous voulez un petit peu défroisser les boucles, genre j'emploie des mots quoi faire, vous pouvez les brosser. Mais moi j'ai peur que je brosse juste avec mes doigts. Mais du coup ça me rend les cheveux encore plus électriques, ça m'énerve. J'ai fait au mieux. Ça fait un petit mouvement, c'est sympa non? Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Essayez de refaire votre Wavy comme moi j'ai fait. Et envoyez-moi une petite photo et on va voir. Faites des gros bisous, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! We'll be right back.